Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur 7 Days to Die alors qu'on avait passé une nuit à miner pour préparer la future base anti-horde. Mais il y a encore du taf, hein. Ça va prendre un sacré bout de temps. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faudrait que j'améliore mes outils au fur et à mesure pour aller un petit peu plus vite. Et mes armes aussi, par la même occasion, notamment ma batte. Mais j'aimerais bien prendre un petit point avant de faire ça. Parce que là, je suis niveau 2. Donc, par exemple, ça va me faire un truc de qualité 3. Ça serait pas super rentable. Je préférerais être niveau 3 pour avoir un truc de qualité niveau 4. Pareil pour la batte. On en était où? Je suis voyou. Donc, ça serait que niveau 3. Faudrait que j'arrive à Ligue majeure. Ça serait bien de faire comme ça. On va retourner à la base rapido. On va se crafter des trucs. Notamment, on va se faire un coin forge. Et puis, il faudrait faire une bétonnière. Donc on va voir si on a ce qu'il faut. Mais normalement, je pense que oui, hein, y a pas de souci. C'est marrant, il n'y a plus trop d'ours autour de chez moi. Hein. C'est assez tranquille maintenant. Pourtant, j'en ai pas tué des masses. Je ne sais pas expliquer cette situation. Mais elle m'étonne. J'ai l'impression qu'il y a moins d'animaux, tout simplement, dans le Westland. Peut-être ils ont changé un truc. Ouais, d'abord, il faut que je fasse de la colle. Donc, je prends des bocaux, je prends quoi d'autre? Des eaux, de l'eau trouble, et puis ça également. On va utiliser ce qu'on a miné, c'est-à-dire un peu de charbon. On va faire des petits tas comme ça. On relance, on se lance de la colle, on se lance de l'eau trouble. Et déjà, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je repose simplement ça et je me débarrasse au passage de ceci. Donc ça, on est bon. Ensuite, je vais aussi relancer ici. Peut-être un peu plus longtemps cette fois. Puisque je vais faire des clous, ça va aller vite. Mais après, il faut que je sorte tout. Je vais la déplacer, celle-là. Donc je sors tout ce qu'il y a à sortir. Et puis je me récupère ce qu'il faut pour construire une forge. Et également pour construire une bétonnière. De mémoire, hein. Alors attention, je vais oublier des trucs. Je pense que c'est à peu près bon. Là-dedans, je prends un moteur. Ouais, je me dis, ça aussi c'est important pour faire des adhésifs. Que je vais faire d'ailleurs. Je peux sûrement déjà en faire un. Ah bah non, parce que j'ai pas pris de colle. Ok, c'est pas grave. La forge. Une première, la seconde viendra quand on aura justement de l'adhésif. Mais ça va pas tarder. Parfait. Au passage, bétonnière. Est-ce qu'il a pensé à tout? Il a pas pensé à tout. Il a pas pris le fer forgé. Je le prends, je récupère les clous, ça a été vite. Comme j'avais dit, c'est rapide, hein. Bétonnière, on lance, et puis juste derrière, on relance une forge. Parfait. Ensuite, bah on va pouvoir ranger. Pour l'instant, je vais laisser ça là-dedans. Mon petit stock de fer forgé. Je remets plus rien, vu que je vais l'enlever. Ça, je le garde. Ça, non. Ça non plus, ça non plus. Ça, je repose. Je repose également le sable. Ouais, voilà, c'est pas mal comme ça. J'ai plein de pipes. C'est cool. Ah, puis j'ai aussi ça à faire. Oui, j'y pense. Petite caisse. On en fait une dizaine. Donc ça, c'est pas mal. Il y a déjà plein de trucs de lancer. Est-ce qu'il reste des clous? Oui. On peut les ranger. J'ai jeté un œil là-bas. Il y a déjà 12 eaux troubles. Derrière, on enchaîne sur de la colle. Fais-moi beaucoup de colle. C'est bien, comme ça, j'ai pas mis le truc pour rien. Est-ce qu'on a déjà une petite forge? Oui, on l'a. Par contre, pour la bétonnière, ça va être plus long. On va poser dans ce coin-là, on va détruire ce banc. Première forge, je peux y mettre une enclume.
Donc, je ne me prive pas pour le faire. Ah, tiens, t'as faim. Qu'est-ce qu'on met dans celle-là? Bah, on va mettre le classique fer plus argile, c'est très bien. Et puis un petit peu, voilà, de ça, 60 minutes, ça me paraît correct. Est-ce qu'on aura le temps d'accueillir l'autre forge? Non, je pense pas, puisqu'il y a la bétonnière entre deux. Ouais, qu'il reste 2 minutes. Bon, je vais me casser. C'est bien, comme ça, déjà, j'ai avancé. En attendant, je vais mettre le charbon là-dedans. On récupérera quand on prendra les trucs, c'est pas grave. Et puis, on préparera aussi l'adhésif ici. Donc, on va mettre les os. Ceci, plus l'adhésif qu'on a actuellement. C'est parfait. Je peux manger un petit coup, puis on y va. On va croiser les doigts pour avoir une mission proche. C'est ça qui serait bien actuellement, c'est ce qu'il faudrait. Si c'est trop loin, franchement, je repars sur des maisons sans mission, là. Et j'alternerai, j'essaierai de voir si par moment, il en lâche pas une. C'est embêtant de devoir toujours aller à perpète. Je ne souhaite pas le faire. On se recharge ça, on sait jamais. T'es essoufflé, là. Oups là. Personne à l'horizon. Va falloir s'occuper aussi un jour de la base principale. Mais ce sera un jour, je crois. Parce que la base anti-horde, elle va être tellement longue à faire, je crois, que... Bah, la base principale, elle attendra, tout simplement. Hello. T'as pas un petit travail proche? Bah non, il aime pas, il m'aime pas, je crois. C'est surtout ça le truc, il ne m'aime pas. 800 mètres. On va faire ça. Ah, attends. Vérifions une chose. Est-ce que tu vends des trucs intéressants, des armes? Ah ouais, tu vends AK. Je te l'achète. Et comme j'ai pas pris mes balles, je t'achète des balles. Du coup, je vais te vendre ceci. Ces balles-là, je vais les garder, on sait jamais. Elles serviront peut-être plus tard, c'est très bien. AK, double barrel, la batte, elle est un peu légère. Mais pour l'instant, j'ai pas les points à mettre pour pouvoir monter. Donc tant pis, on attendra, on va faire comme ça, c'est pas grave. Allez, go. On va traverser une nouvelle fois la caillasse. Alors, qu'est-ce qu'il nous a réservé de beau? Plein de petits mobilhomes. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, après tout. C'est pas forcément les trucs qu'on fait habituellement, d'ailleurs. J'ai pas fait souvent, ça. Je vide un peu autour, quand même, avant de commencer. Voilà, on va dire qu'on fait comme ça. On va pas trouver grand chose, mais c'est rien. Tiens, quelqu'un. Ah, bonjour. C'est la voisine qui vient voir ce qui se passe. Je vais mettre progressivement dans la moto. Puisqu'il y en a quand même pas mal des mobilhomes, mine de rien. Ça a l'air d'aller là-dedans. Personne, personne. Peut-être au fond, on sait jamais. Il serait réveillé quand même. Ouais, il y a vraiment personne là-dedans. Pas de cache ni rien? Non, on dirait pas. C'est vrai que c'est du POI tranquillou hein, actuellement. On va démonter 2-3 trucs du coup. C'est très bien comme ça. J'ai pris ça? Ouais, j'ai pris. C'est marrant, on entend quelqu'un. Il y a quelqu'un de tout proche. Je vous entends. Peut-être là-dedans. C'est tout vide, hein.
J'entends quelqu'un qui tape là. Très nettement. Je vais refermer. Oh bah c'est pas mal du tout. Pour un petit machin comme ça. Oh, et puis même un petit pansement. Super. Donc on n'a pas à se plaindre. On aura ça. Le reste, bah, je vais déjà le poser, je crois. Mais je vais refaire un petit coup de démontage là-dedans. Ok, très bien. Il y a quelqu'un dehors, je crois. Voilà, c'est toi. Bye bye. Si je fais le tour par là, est-ce que j'ai oublié des choses? Non, pas l'impression. Je vais mettre dans ma moto et puis on continue. Voilà, parfait. Il en reste 4. On va peut-être avoir de l'action à un moment. Pour l'instant, c'est très très calme. Ah bah voilà, il suffit de demander un peu pour obtenir... Aïe, une baffe. Vive les endroits exigus. T'es bien mort, hein? Rassure-moi, oui. Ok, c'est un peu plus grand ici. C'était pas une porte, mais un placard. Il y a un truc au fond. Il y a même ce coffre. Donc c'est une sorte de fin. Ça, ça protège mieux. Je vais virer le modificateur. Et je vais le reprendre sur mon autre casque, mon nouveau casque. Parfait. Ok, donc bah, je vais démonter là déjà pour obtenir le truc qui est en dessous. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ouais, c'est pas mal. Je peux déjà mettre ça sur la AK. C'est pratique. En même temps, je pense pas que je vais tomber sur des fluos de sitôt. Eh ben, c'était dur à casser ça. Petit recyclage. On fouille ça. Mais non, je l'avais déjà fait. Donc là, c'est bon. C'est vraiment pour dire que je prends des trucs qu'il y a ici. Par contre, ça, c'était bien. Ok. Un peu de nourriture. Là, sur le coin. Et on est presque paré. C'est le POI tranquillou. On n'a pas éliminé tous les zombies. Mais genre, il doit en rester un ou deux. Voilà, super. Il y a la bagnole à démonter aussi. La poubelle, j'avais pas fouillé. Petit bouquin à lire. Un gars qui nous tombe dessus de je sais pas où. On l'entend. Il est là derrière. Oh, c'est une famille. Des jumeaux. Est-ce que ça serait pas une petite horde? Ah bah bien. Excellent ça. Je regarde quand même, hein, si ça se promène pas dans le secteur, mais non. Donc on poursuit la quête. Il reste ces deux trucs là au fond, plus celui-là. Wow, il a marqué un de ses temps d'arrêt en prenant les chaises. Surcharge. Hop là! La crève! Oh la vache, il est costaud lui! Il m'a déglingué l'enfoiré, j'aurais dû tirer dessus. C'était dommage. J'ai mal joué le coup là. Je pensais que j'allais l'éclater, mais non. Au final, c'est moi qui ai pris cher. Il y a mon petit genou qui souffre, et puis en plus, je suis infecté. J'avais pas chopé du miel. Il y a quelqu'un qui marche. Re-toi. Il arrête pas de revenir.
Ok. Non, c'était de la bière. Dommage ça. Je vais devoir me soigner. 9 minutes, ça passe. Par contre, le soin, il me le faudrait pour virer l'infection. Je m'attendais pas à un chien comme ça, là, d'un coup. Du coup, j'ai tapé dessus avec ma batte, mais c'était un peu con. Allez, on y est presque. Oh, un cigare, cool. Portons ça. Je vais être charismatique. Ok, c'est bien. Là, il y a une cache. Avec un petit sac. Je regarde si ça, c'est pas mieux que ce que j'ai. Si, c'est mieux. Largement, et ça commençait à être abîmé en plus. Est-ce que dans celui-là, il y avait des modes? Non, il n'y en avait pas. Très bien. Je commence à être bien chargé quand même. Ok, le truc marrant, c'est que l'infection est partie. J'ai pas pigé. Il y a un truc qui m'échappe là. Tant mieux pour moi. Hein. Du coup, il me reste que les deux du fond. On va aller chercher la moto. Se rapprocher un peu et la remplir en même temps. Ok, on est pas mal. Allez, on se rapproche, on en finit. Avec ce POI de la tranquillité, malgré le chien, c'est quand même assez peinard. On va récupérer ça. Fouiller les ordures. C'est terrible. Bon, on récupère beaucoup de choses, mine de rien. Hein. Il y a même ce radiateur au sol à détruire. Petite faim, mange. T'as des steaks, profites-en. C'est pas tous les jours. Et en plus, ça va te faire regagner un peu de PV au fur et à mesure. Ça c'est fait. Ça y a rien, on peut le démonter. Ouais, pas terrible. Hein. Attention. C'est toi le dernier. À la limite, il y avait plus de Z qui traînait dans le coin que de Z dans le POI lui-même, ce qui est assez rare. Oh, sac. Ok. Est-ce que je peux réussir à le capter d'ici? Sûrement. Mais j'y arrive pas, donc je vais casser. De la peinture. J'entends un loup, je crois. Ah non, c'est un rampant. On l'empêche d'entrer pour le moment. Ah bah, un double barrel. Mais c'est niveau 2, il est moins bien que le mien. Voilà, on en a presque fini, c'est bien. Il reste plus que le dernier. Peut-être là derrière. Non. Attention. Il est là en dessous. Ouais, c'est ça. Viens par ici. Oh, ce PUI de merde, franchement. C'est l'ennui ici. C'est l'ennui, je veux partir. Il y a un peu de yucca. Pourquoi pas. Ah bah non, mange-le pas. Je voulais mettre un coup de poing dedans, c'est tout. Ok, je suis trop chargé. On revide. Ça y est, à nouveau plus chargé. Il y a une petite poule là. Excellent. Miam miam. Elle est truffée de plomb, la pauvre.
Ok, et puis je vais virer ça. Et donc j'étais en train de récupérer les petits bouts de Yuka pour dire que je récupère un truc. Hein. Alors le dernier, es-tu là? Oh, j'ai touché la tête là quand même. T'es un costaud toi. Enfoiré. Ça y est, j'ai fini, j'ai vidé. M'a donné une claque. Bon, on va repartir, hein. Petit épisode bien tranquillou. On aura peut-être la chance de faire un autre truc avant de devoir miner à nouveau. Bien qu'il soit déjà 13h et quelques. Hein. Ça passe très vite en plus. Ouais, d'accord, on va recycler des trucs. Et je vire ça. En fait, j'ai pas recyclé grand chose. Est-ce que ça tombe? Ressort, etc. Oui, ça tombe. J'aimerais bien les récupérer, les ressorts quand même. Bocal vide, non. Et là, on a quoi? Tu veux en faire. Mince alors. Voilà, c'est parfait. Bon, je vais en rester là. C'est bon, c'est terminé. On n'a plus qu'à repartir. C'était pas l'éclate, hein, Spéoui. Il me fait toujours venir dans ce biome. Encore une fois. Et puis en plus, sur des tout petits trucs. Donc faut que j'en fasse un max pour que ça passe et qu'ensuite il me donne les meilleurs trucs, quoi. Tout simplement. Va falloir faire comme ça. Faut les enchaîner à la limite si j'ai des trucs, genre trésors, tout ça, qui sont proches, je vais les creuser. Comme ça, on passera plus vite au niveau 2, déjà. Ça serait pas mal. Ok, je reviens là. D'abord, je vais stacker des trucs, ensuite je vais prendre ce que je peux vendre. Voilà. Donc ce que je vends, c'est en bas, c'est-à-dire pas grand-chose. Je me précipite, je reprends une mission. On pose, puis on part. Un peu comme d'hab. J'ai pas ça, mais ouais, je vais prendre ça carrément. Merci beaucoup, et puis là, tu m'envoies où? Élimination de zombies, ou bien récupération? Bah, je vais prendre 913 récupération. C'est pas encore trop loin, et puis après, je te vends tout ça, et on est reparti. J'ai un point, c'est cool. De toute façon, je vais rester dans du minage actuellement. Ouais, voilà, on se prend ça. Comme ça, on pourra se faire une bonne pioche. Pour la nuit, ce sera top. Simplement, on va déposer d'abord. Je fais qu'un voyage, hein. Tant pis s'il y a des trucs qui restent dans la moto. On fera avec. Voilà, il restera ça dedans. Ok, très bien. Au passage, on va voir si on peut pas se faire tout de suite la pioche. Elle sera prête. Comme ça, on fait le truc avant de partir. Ça serait bien. Donc, bah, il y avait de la colle. Ça, c'est nickel. On peut encore en refaire. Ça, c'est bien aussi. Je vais en faire 15. Je peux en faire plus, même. Voilà, tu fais tout ça de colle. Déjà, tu te débarrasses pour l'instant des os. C'est tranquille. Ensuite, on lance adhésif. On en veut beaucoup. C'est bien aussi. Ouais, j'ai plus besoin de ça. Pour le moment, j'ai 10 bouteilles. C'est bon. Là-dedans, je relance le fer que j'ai sur moi. C'est bon aussi. On placera les trucs plus tard. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut pour ces outils-là? Par exemple, il faut du bois, du cuir. Et le fer forgé. Ok. Ça sera partout pareil. Donc pour l'instant, on va se faire une pelle niveau 4, une pioche, et puis c'est à peu près tout, puisqu'on a plus assez, c'est ça? Il manque un ruban.
c'est pas grave. Pour le reste, on verra plus tard. Déjà, c'est très bien. Et puis, on repart vite. On se dépêche. Donc, direction 900 mètres. On sait pas où on va atterrir. J'ai tout rechargé en courant. T'as pas un petit peu faim? Si, quand même. Mais j'ai rien pris, tant pis. On espère qu'il y aura des trucs dans le POI. Normalement, il y en aura. Hein. Et cette fois, c'est ça, d'accord. On est juste à côté de l'endroit où on était il y a 2 secondes. Enfin, c'était pas il y a 2 secondes, mais c'était il y a pas longtemps. Il a vraiment décidé de m'envoyer super loin. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais tant pis, hein, c'est comme ça. Je m'y plie. On va vider d'abord. Là, il y a un chien à l'endroit où on arrive au tout début, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, je le savais, mais il m'a touché quand même. Tiens, d'ailleurs, je vais vider cet endroit. Ça m'évitera d'y revenir. Il y a quelqu'un dehors, je crois. Aïe. Qui est-ce qui arrive? Un peu de monde, on dirait. Ouais, il y a peut-être une petite horde, quand même. Hein. On va se méfier. Ma pelle, elle est foutue. C'est dommage que je la répare. Alors que ensuite, je vais m'en débarrasser quand je rentre. Un petit peu dommage, ça. Mais j'ai pas le choix. Ah bah, il y avait une pelle niveau 6 là en plus. J'aurais pu m'en servir un petit peu de temps. On va réparer également ça. C'est flippant, là. On est cerné, hein. Voilà, ça rentre, je le savais. Ouh, oui, c'est petite horde, ça c'est clair. Bon, en tout cas, ça y ressemble. Il est mort, le balèze? Là, il l'est. C'est tout? J'ai l'impression, on n'entend plus rien. Ouais, on voulait démonter ça avant de partir. Je savais que j'aurais faim. J'aurais dû prendre ma viande, c'est dommage. Je l'ai posée. Ok, je pense que c'est bon. Hop, on peut sauter de là, c'est cool. On arrive ici. Bonjour. Assez prévisible, je dirais. Et il y a l'ami rampant, mais qui doit être en bas. Je me pose pas de questions, je recharge. Ouais. Instant. C'est cool. Là-dedans. C'est là la cache. Attends, tu vas casser. Comme ça, on a trouvé le truc. La sacoche, c'est bon. Ok. Je me dépêche, hein. Je vais tracer. Pour qu'on ait le temps de miner et tout. Il le faut. Je crois qu'il y avait une planque quelque part, mais je sais plus où. C'était au sol, je me rappelle, on l'a fait. Avec Nicia, Aton et Aztec. Ok. Ah, là derrière. Peut-être qu'à la limite, les planques changent de place. C'est parfait, on regarde le petit établi, il nous redonne une hache en pierre qu'on recycle. Ok, 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 tout ça c'est bien. J'y suis presque, je vais m'en aller.
Oh, attention. Oh, t'es essoufflé parce que t'as plus d'enjeu. Je vais te faire boire un petit truc quand même. Hein. On a rien à bouffer, mais au moins on a à boire. Et ça libère des spots. Parfait. Hop, et puis on continue à démonter. Ça c'est fait, il reste là-bas derrière. Là-dedans il doit y avoir quelqu'un. Tac. On est bon. On se prépare pour ici. Parfait. Petit sac là. Oui, je me souvenais qu'il y avait un coffre. On est bon. Ah, tout ça pour ça encore. Terrible. Rien de caché, je fais pas le lit. Ça, on peut pas. Et il reste ici. Allez, sortez de là. Ça, c'est le même coffre. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Il savait plus comment on sortait. Yep. Et toi, tu viens? Bah voilà, tranquille. Il me donne du coton, mais je m'en fous. Allez, je démonte encore ça quand même. Fort bien. J'arrive pas à l'ouvrir. Si. Apprends-moi quelque chose. Je connais. Est-ce que je vais pouvoir porter des choses? J'en doute. Je me débarrasse de 2-3 trucs quand même, tant pis. Même à la limite ça, c'est rien. On va reboire. Et on vire le truc et puis on recycle ce pansement. On est bon et normalement là on a tous les coffres. Bon, journée au calme. Hein. On peut pas dire que c'était animé. Ouh, juste à côté. Ouais, je recycle, je prends les pièces, je les veux. Pas mal. Ok, c'est super. Allez, on s'en va. Il y avait un sac là quand même. Je mange. Miam miam. De toute façon, faut faire un trou pour sortir. Donc on va le faire vers la moto. Je pense que je range juste à temps pour prendre mes outils, manger un petit coup, ranger et pouvoir commencer à miner pour cette nuit encore. Et j'espère quand même que l'émission ça va s'améliorer au fur et à mesure parce que là c'est pas top top. Hein. Ok, on est déjà arrivé, c'est cool. Le truc, qu'est-ce qu'on vend? On va aller vendre ça. J'ai juste posé un truc. Voilà, comme ça, ça me fait de la place pour récupérer le cadeau. La chose étonnante, c'est que dans mes voyages actuellement, je ne croise ni ours, ni chien, ni vautour. Ça me surprend vraiment beaucoup. Encore? C'est énorme. Ah, il me donne deux trucs. Oh, une modification. Génial. Ok, du coup, moi, je te vends ça. Je vais peut-être te vendre un moteur. Ça me fait de la place. Ouais, oh, c'est super, je suis content. Et puis ça aussi. Je voulais te vendre ça. Ouais, voilà. Par contre, je reprends pas de travail tout de suite, puisque c'est loin, on verra demain. Allez, bye bye. Maintenant, on s'occupe de tout ranger. Et puis après, on attaque la partie « Je creuse ».
petite moto, donne-moi tout. Je peux pas tout prendre, mais on va se contenter de ça. Déjà, le rangement. Ok, ça c'est bon. Faudrait que je mange. Je suis pas encore au top. On va en prendre une pour pendant qu'on creuse. Je vais récupérer le café que j'ai. J'en ai un petit peu. Et puis le reste, on le balance. Ouais, puis je peux pas tout balancer actuellement. Faudrait que je parte vite fait. Tant pis, pour le reste, je poserai plus tard. Tout ce qu'il y a là-dedans, simplement, je vais récupérer les outils. On s'occupera de ça après, rangement, tout ça, le lendemain. Là, ça va être la nuit en plus, de toute façon. Donc il va falloir que j'y aille avec prudence. Ça, je vais simplement le mettre. Mon casque. Ah ouais, je peux mettre qu'un truc. On va déplacer ce machin-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une place? Il y a une place là. Donc c'est très bien. Ça, t'as encore de quoi manger pour la suite. Trois cafés, je crois que j'en avais plus. Ok. Liquide de réparation. Ah, j'en ai 14 maintenant. C'est excellent. Et donc, on va se manger un truc comme ça, histoire d'être au top. Et puis, c'est parti. Ah ouais, non, ces balles-là, je les veux pas. 150... ouais, j'en ai plein, des balles. J'en ai même 10 fois trop. On va reposer ça. Là, on est bien. Presque. On va partir, on va y aller. Ok, c'est bien. Je vais transvaser ces trucs-là au passage. Les modificateurs. Voilà, je pousse ça. On les revendra à la limite. Et puis, on place ceci ici. Et voilà, on est nickel. On a perdu un petit peu de temps, mais là, ça vaut le coup. Attention, cours pas trop. J'espère que ma partie est pas buggée avec cette histoire d'animaux qui spawnent pas, ça me fait bizarre. Je sais pas. Je trouve ça surprenant. Est-ce qu'on va avoir du feral comme avant? On va voir, on va prendre un risque, on va rouler pour aller jusqu'à la petite base là-bas. Et regardez un peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs nuits où il se passe pas grand chose. Je suis dubitatif. Viens là. Je pense pas que j'aurais pu faire ça avant, franchement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mages sur ma partie. Moi j'ai l'impression que le biome est désert, quoi. On verra bien, hein, on verra bien. Donc, on prend un petit café, puis on est parti pour la nuit. On va creuser. Ok, bah on en a terminé avec cette nuit-là, c'était tranquille comme tout. C'est comme je dis, hein, je me demande s'il n'y a pas un petit souci, j'espère pas franchement. Deux fois ça serait gros quand même.
Là, je suis pas très loin d'avoir atteint le niveau qui me plairait. Je pense que je vais recreuser de 1 seulement et on dira que c'est bon. Et après, il faudra juste élargir un tout petit peu. Et puis, ça passera très bien comme ça. Voilà, on remonte, on va observer s'il y a des ours ou quoi que ce soit, des vautours, je sais pas moi. Si c'est complètement désert. Ouais, ça a l'air désert, quoi. Je sais pas quoi en penser, franchement. Est-ce que c'est normal? J'en sais rien du tout. Bon, en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. C'était un épisode au calme, il s'est pas passé grand-chose. Mais il faut aussi des épisodes comme ça pour avancer. Et puis, je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec, je l'espère, un petit peu plus d'ours, de chiens zombies, etc., etc. Allez, salut!